Salut à tous, c'est Nurnios. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce que je crois être l'épisode 37 de Texit. Aujourd'hui, j'ai prévu deux trois petits trucs. Enfin, deux trois petits trucs. Non, j'ai prévu un truc en fait. C'est qu'on va avancer dans le mode qu'on a vu là-bas. Mais tout d'abord, je vais vous montrer quelque chose vite fait. Parce que là, je commence un peu à tomber à court de ressources. Ça fait longtemps que j'ai pas miné dans le jeu. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire. Hop! Putain, ça marche bien. J'ai réenclenché les turtles. Les mining turtles. J'ai fait en sorte qu'elles minent chacun un chunk. Et comme ça, bah ça va nous faire des ressources. Et ce sera bien. Donc ouais, ramène pas mal de dirt pour l'instant. On va récupérer ça. Mais ouais. Voilà. En gros. Je réactive les turtles et on va avoir masse de ressources. Je vais récupérer tout ça parce que sinon ça va vite se remplir. Ah mince, j'avais pas mis dans le bon truc. J'avais remis dans le coffre au lieu de mettre dans mon sac. Ok, et donc ensuite je voulais qu'on continue le mode qu'on a commencé la dernière fois. Donc pour essayer d'obtenir un peu plus d'achievement et d'essayer de voir jusqu'où on peut aller. Donc, ce que je pense qu'il faudrait, c'est qu'on fasse déjà un call generator, qu'on n'en a pas encore fait. Ça nous donnera au moins un succès. Et c'est déjà pas mal. Donc, il nous faut de la nicolite et 6 plaques de fer déjà pour commencer. Donc faisons ça. Donc, des plaques de fer, des plaques de fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 nicolites. Vous voyez, ouais, j'ai plus beaucoup de nicolites du tout. Hein. Donc faut que je vois si je peux pas en récupérer, tout simplement, grâce aux tortelles. J'ai dû retourner sur le site pour voir quelle était la commande. Et c'était assez bizarre parce qu'en fait, j'ai remarqué que les turtles ramènent, enfin quand elles se vident aussi de leur carburant. Ce qui est franchement pas malin de ouf, quoi. Donc, un circuit MPR. Donc, il me faut 4 nicolites. Ouais, donc la nicolite, ça va vite baisser. Hein. Ça va vite, vite baisser. Il me faut une plaque d'or. Ah oui, mais attendez. J'en avais pas là-dedans. Si, j'ai déjà une plaque d'or. Et j'ai pas de plaque de cuivre, donc il me faut quand même 4 cuivres. On va en faire un peu plus. Ça ne peut que servir, je pense. Tac, allez, 1, 2, 3, 4. Ah bah oui, de toute façon, il nous en faudra plus. Il va nous en falloir beaucoup plus. Donc on va mettre... 1, 2, 3. Allez, on va mettre tout ça à aplatir. Comme ça, ce sera bien. Hop, donc ça va au milieu, ça va dans les coins, et ça sur les côtés, et hop, on a un circuit. Ok, donc le circuit il va au-dessus, si je dis pas de bêtises, oui c'est bien ça. Ensuite les 4, comme ça, une pile, il faut 2 nicolites, 5 tin plates. 2 nicolites, ah non, tac, et 5 tin plates, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Heureusement que j'ai accéléré ce truc. Hein. Sinon, on attendrait 10 ans pour avoir toutes ces plaques. Hop, nickel. Tiens, on va peut-être en profiter pour recharger mon sac. Je l'ai utilisé pour faire un peu de plongée. Ah ouais, mais j'ai pas de... Ah si, si, si. Je me demandais où j'allais pouvoir le mettre, mais je peux le mettre... Non, ah. Je vais le mettre ici. Voilà. Oh, ça se recharge tellement vite, c'est tellement bien. Tac. Parfait. Donc il y a tout qui marche encore très bien. Peut-être... Pourquoi il y avait un nid ici? Les nids sont censés aller là. Ça doit être un... Ça a dû être un hic qu'il y a eu. De toute façon, le bois, on commence vraiment à en avoir beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est pas un problème. Et le charbon? Oh oui, putain! Il nous donne quoi? De la ficelle. Mais qu'est-ce que vous voulez que je foute de ficelle? J'en ai déjà plein.
Dégage. Hop. Ok. Donc, allons récupérer notre étain. Ah! Comment ça se fait que j'ai pas réussi à courir sur l'eau? J'ai dû me planter, arrêter de courir comme un con. Ok. Donc, on a notre étain. Hein? Ah, ça n'a pas fait de plaque. D'accord. Donc, faut que je mette ça dans le compresseur. L'advanced silo plate, c'est une que j'ai en trop. Toi. Tiens. Voilà, ce sera plus rapide comme ça. Tac, tac, et je remets ça là. Ok, donc. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que tu fais, Ginou? J'ai mon chat qui fait. Je sais pas, qu'est-ce que je loue. Il tourne, enfin il s'amuse. Tac. Hop, ok, donc là normalement on a tout ce qu'il faut. Donc, clac, 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 et clac. On a donc notre coal generator. First step, ouais, enfin, first step, si ce n'est qu'on a quand même toujours un panneau solaire. Enfin, on a déjà un panneau solaire. Hop, voilà. Donc là, ça c'est fait. Alors, je vais regarder à quel point ça marche bien ce truc. Ça marche franchement pas mal. Ah ouais, ça marche bien, c'est cool. Si j'enlève ça, il va me re... Ah mince, j'ai fait une connerie. Non, c'est bon, il ne l'a pas cassé. Ok. Donc on a fait ça. Ensuite, advancement. On va se baser là-dessus. Heat generator. On va voir si c'est faisable. Heat generator. Non, ça m'a l'air déjà un peu plus avancé. MK4 circuit. C'est pas tout de suite qu'on va faire ça. Ok. On peut avoir un pulvériseur. Un rancher. Oh, ça peut être sympa. Je sais pas à quoi ça sert. Il nous faut un seau de lait, une plume, plaque de bronze. Alors attendez, du coup il nous faut 1, 2, 3, 4 nicolites. Il nous faut juste 4 nicolites. Et non, il nous en faut plus. Et du coup, on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Je vais regarder. Est-ce qu'on n'en a pas là-dedans? Non, ici, je crois que ce truc-là peut pas produire de nicolites. Déjà, ça dégage. Ça, on en a trop. Hop, ça aussi. J'essaie de faire un peu le ménage de temps en temps, en fait, pour qu'il continue de produire. Ça aussi, on s'en fout. Ça aussi. Des coffres. Bon, je peux en faire moi-même. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir de la nicolite facilement? Oh. Oh. Ah ouais, il va nous falloir un pulvériseur. Il va nous falloir un pulvériseur. Si ça nous permet de multiplier notre production de nicolite par autant. Et ça coûte combien ça? Ouais, pareil, il va nous falloir de toute manière plus de nicolite. Donc, allons chercher ça. Je sais pas du tout à quel niveau ça se situe, la nicolite d'ailleurs. Nicolite. C'est pas écrit. Bon, bah, écoutez, on va chercher. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas miné. Oh d'ailleurs, j'avais oublié cette machine. Ah, il marche bien, hein. Ah, oh, ça me tue. Ouais, elle marche vraiment bien. On la laisse tranquille et elle fait son boulot. Je suis content d'avoir réussi à faire cette machine. En vrai, c'est chouette. Une machine qui produit autant d'or comme ça. Là, il y a un rail. Ça voulait dire que j'avais pas encore tout exploré, je crois. Allons ouvrir. La nicolite, il me semble pas que ce soit un truc extrêmement rare. Donc, on devrait en trouver assez facilement, tout simplement. On commence en tout cas à bien avancer, là. En fait, je me demande, en fait, quel mode... Enfin, non, je me demande s'il y a encore des modes qui permettent d'aller dans des dimensions parallèles. Mis à part le truc qui mène dans les limbes. Je sais plus... Je sais plus s'il y a on a encore d'autres trucs qui mènent dans des dimensions parallèles. Ok, donc ici, c'est quoi? De la citrine. Ouais, c'est pas ce qu'on cherche.
Bon, on va éviter de se distraire trop. On va essayer de trouver de la nickelite. Bon, bien sûr, si on tombe sur un filon de diamant, on le minera quand même, mais c'est pas le but, on va dire. Le but, c'est vraiment nickelite, nickelite, nickelite. Hop. Voyons voir. Enfin, ça doit pas être trop compliqué d'en trouver. Je crois pas du tout que ce soit quelque chose de rare. En fait, je me dis, dans la partie qu'on a fait en 3.14, c'était vraiment le bon plan de s'installer dans une montagne. Parce que dans la montagne, il y a tellement de minerais, de trucs comme ça, que ça rend les choses beaucoup plus simples. Ah, bah de la nicolite, très bien, parfait. C'est tout? Oh non, soyez pas radin. Allez. Ah bon bah tant pis, on va continuer. Hein. Bon là il y a du fer. Je vais le prendre. Ah, il y a une araignée aussi. Hop. Ah! Des buissons d'or. Ça nous permettrait d'améliorer notre machine qui en produit. Hop. Hop, on les rajoutera à la suite et on rajoutera des extensions et ça doit être pas mal. D'ailleurs, je me suis toujours pas fait de backpack et je me dis que ce serait peut-être une bonne idée. Un sac à dos qui fait de la. Qui fait pile en fait. Donc qui recharge automatiquement les machines que j'ai sur moi. Aïe aïe aïe, hey, oh! J'adore ce truc. Hop. Ok. On n'en trouve pas beaucoup de nicolite. Hein. Quoi par là? Ah bah par là je reviens où j'étais. Ça c'est du silver, on s'en fout pour l'instant. Ça, c'est un buisson d'or. Ça peut servir. Hop. Ok, il n'y a rien. Bon, il y a zéro. Ok. Continuons notre épopée. J'ai testé un peu. Je sais plus si. Oui, je crois que c'était dans l'épisode précédent que je vous en avais parlé. J'ai testé un peu Better Than Adventure. C'est sympa. Mais je sais pas si ça mériterait que je fasse une série dessus, en fait. Peut-être une vidéo, un de ces quatre. Parce qu'en fait. Ça donne vraiment l'impression du Minecraft old school. Donc c'est très sympa. Hein. Moi j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que j'ai pas vu vraiment de contenu très original jusqu'ici. Alors après, j'ai pas joué énormément. Hein. J'ai joué combien de temps? Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question. J'ai dû jouer peut-être 2 heures, un truc comme ça. Pourquoi j'ai une torche dans chaque main et je mine quand même si vite que. Oh, attendez! Je peux miner avec les griffes? C'est une dinguerie ça! Attends, et si j'enlève ça? Oh mais c'est trop bien! Ça veut dire que la drill, limite, j'en ai besoin que pour quand je rencontre des trucs particuliers quoi. Enfin quand je rencontre des trucs un peu durs. Je sais pas à quel point je peux miner des choses avec les griffes. Je vais prendre la redstone parce que c'est toujours intéressant. Mais c'est dingue, on peut miner à la main. Ça c'est trop bien. Est-ce que je peux miner ça? Non, ça je peux pas. C'est tout. Non, mais soyez un peu plus généreux. Ah voilà. Ah bah de la nicolite, parfait. Tac, tac. D'ailleurs, je fais ça, mais si ça se trouve la nicolite, faut pas que je la récolte comme ça. Ouais, faudra que je la mette dans un pulvériseur, de toute manière. Donc je la replacerai et je la reminerai selon ce que j'en ai besoin. Je sais pas combien ça me donne en fait si je mine à la main. Attendez, on va voir, de toute façon, il nous en faudra un peu. Hop. Ça nous donne 5. Ok. Donc le pulvériseur, c'est mieux. Enfin, c'est un peu mieux.
Vu que ça en donne 7. Donc faudra le faire quand même. Parce que de toute façon, c'est un truc d'économie, quoi. Enfin, c'est un truc. Ça va être important, quoi. Bon, je pense que je peux arrêter de miner l'or. Je pense vraiment pas qu'on en ait besoin actuellement, avec ce que produit notre machine à or. Là, ça me paraît. Je sais pas trop s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Eh oui, il y a de la nicolite. Ok. J'avais une technique pour rentrer à la maison rapidement, je sais plus. Bon, je vais rentrer. Je vous fais une toute petite ellipse. Et à tout de suite. Re, et on ressort de la grette. Donc, on va pouvoir enfin utiliser cette nicolite et faire un pulvériseur. Donc, je vais faire le pulvériseur. Il faisait comment? Pulvériseur. Tac. Donc, il nous faut 4 plaques de cuivre. Donc, ça, je crois qu'on a. Ouais. Donc, cuivre, c'est bon. Une pile, donc une pile, il me faut encore de l'étain. 1, 2, 3, 4, 5. On va récupérer ça. On va récupérer ça et on va mettre ça là. Tac. Et tiens, hop. 4, 5. Ok, on fait la pile. Une pile, donc. Ensuite, 2 silex, machine block. Machine block, machine block. Donc, tac. On va chercher le silex. C'était ici le silex, oui. Tac, ok. Et une plaque d'or, il me faut. Tac, tac. Tac. Hop. Donc il ne reste plus que nos plaques en métal. Et c'est bon. Tac. 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 Hop. Tac. Tac. Hop. It's getting dusty. Yeah. Ok. Donc c'est nickel. On a notre pulvériseur. Et donc là, si je mets ça dedans, il va me faire plus de poudre de nicolite avec. Si tout va bien. Et normalement, tout va bien. Parfait! Donc ça a marché. Donc, maintenant qu'on a fait le pulvériseur, advancement, je voulais faire un rancher. Un rancher, parce que je pense que ça pourrait être marrant. Faut des plaques de bronze, des piles, des machins, des trucs et des bidules. Ok, donc on va refaire une pile déjà pour commencer. Je sais pas trop où on va mettre tout ça. Peut-être encore dans la montagne, je ferai peut-être encore un trou. Qu'est-ce que je voulais faire? Une pile, une pile. Pouf. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Hop. Compresseur. Tac. Tac, 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 une pile, parfait. Ensuite, des plaques de bronze. Est-ce qu'on a du bronze? Oui, on a du bronze. Ah, on n'a pas tant que ça, on en a deux. Et il nous en faut plus. Comment on craft ça? En alliant du copper et de l'étain. Ok, on a du copper et on a de l'étain. On va en faire. On va en faire. On va faire. Hop, comme ça devrait suffire. On va mettre ça à la forge. Tiens, et tiens. Voilà, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Une plume, un seau de lait. J'ai des vaches ou pas, moi? Je sais plus. Je crois pas. Plume, j'en ai plein. Ça, c'est pas un souci. Mais le seau de lait, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Je crois qu'il faut que j'aille au village adjacent. Donc celui qui est là-bas. Hop. On va aller les voir. On va voir si on peut pas leur piquer un seau de lait.
Les vaches, c'est pas très rare non plus. Oh là, les coffres, ils flottent toujours. Ah bah oui, c'est des coffres de loot comme ça. Faudra que je les vire. Un de ces quatre. Enfin, remarque, on s'en fout un peu, hein, c'est pas très grave. Ah, et ça aussi, c'est pratique pour miner. Enfin, faut enlever l'eau, mais... C'est pratique quand même. Alors, si je me rappelle bien, je leur avais laissé un couple de vaches là-bas. Il me semble. Ouais, là je vois une vache. Nickel, on va pouvoir leur piquer un peu de lait. Bonjour. Alors, ne vous dérangez pas pour moi. Parfait. J'ai ce qu'il faut. Maison. Le mec arrive, qui traite une vache, ici, il repart. Oh, dis donc d'ailleurs. Je sais plus si je vous avais déjà dit que j'avais un Steam Deck, mais je trouve que c'était une très bonne idée comme machin parce que au boulot, j'ai pu finir quand même Zelda Wind Waker, acheté, que j'avais jamais fini. J'ai le jeu et j'ai. Sur, enfin, en fait, j'ai la Wii U, j'ai le jeu, mais le fait de devoir ressortir ma Wii U, mettre le jeu, mettre à jour, etc., ça m'emmerdait tellement. Et ben, je l'ai mis sur mon Steam Deck, je l'ai fini. Twilight Princess HD, pareil, j'ai le jeu, j'ai même la collector du jeu. J'ai la console, je l'ai jamais fini. Et bah, là, je l'ai fini sur Steam Deck. Et ouais, je trouve que c'est vraiment cool comme truc. Un super morceau de technologie. Tac, il va me falloir des plaques, s'il vous plaît. Ah, d'accord, oui. J'avais pris trop de copper. Très bien. Tac. Donc là, j'ai 6 bronzes. On va tout raplaplatiser. Ce sera fait. Ça marche pas ici. Ok. Tac, compresseur. J'espère que ce sera compatible. Oui, normalement c'est compatible. Ok, machine bloc. Donc il me faut encore des plaques de fer. 3, 4, 5, 6. Hop, tactique. Pouf. 3, 4, 5, 6. Nickel. Tac. Hop, hop, parfait. J'ai pas fait le circuit. Il manque une plaque en or. Ça tombe bien, j'en ai plus. Tac, 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 tac. Voilà. Mechanized production. Production mécanisée. Ok. Et ça, je pense le faire. Je sais pas, en vrai. Là. Ouais, je pense que c'est faisable. Hein. On va faire un trou ici. Alors, on lancera pas la production dans cet épisode, je pense, mais on peut bien commencer. Ah, déjà aplanir un peu le terrain. On va essayer de faire un truc un peu propre, un peu sympa. Hop. J'ai mon chat qui fait des saltos, je sais pas ce qu'il fout. Il est marrant. Hop. Tac. Ah oui, donc effectivement, on va falloir pas mal creuser, hein. Hop. On va raser tout ça. C'est pratique quand même la drill, hein. C'est définitivement très pratique. Hop. Et les griffes aussi, d'ailleurs. Attendez, oui, d'ailleurs, si je fais ça. Et même à la mano, c'est pas mal rapide. Bon, c'est clairement plus rapide à la drill, mais. Mais quand même, c'est tout à fait viable. Si j'ai plus de batterie dans ma drill, je saurais quoi faire. Faudrait que je l'améliore, la drill aussi, mais ça va être long. Ça va prendre du temps. Un instant, je vais ranger ça. Hop, voilà. Je vais pas laisser trop de loot par terre.
Hop. Plus qu'un étage. Et ensuite, faudra ramener du câble. Ok. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va finir l'épisode là-dessus. Dans l'épisode suivant, du coup, on essaiera de faire fonctionner cette machine. Hop, voilà. Et on la reliera donc au câble là. Et peut-être que je ferai d'autres panneaux solaires. À voir. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, je me suis éclaté à la tourner. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez! Salut!